Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ce qu'il va y avoir dans le lot à gagner pour les 4000 abonnés. Donc je vous ai fait des découpes. Alors celle-là, c'est des dies que je m'étais acheté sur le thème des bébés. Il y a un peu de tout. Ouais. Là, j'ai fait la découpe de la petite armoire que j'avais avec les chiffres comme ça là. Et là, je vous ai fait des découpes un peu de tout ce que j'ai eu là en partenariat. Hop, donc c'est tout là-dedans. Je ne vais pas tout défaire parce que sinon, ça va être vite le bazar. Donc, il y a les découpes. Alors, il y a les petits cadres que j'avais commandés à Temu. Alors, ceux-là, ils sont juste sublimes. Là, il y a les tampons, pareil, que j'avais commandés. Là, il y a les dies, hop, là, les dies fleurs. Ça aussi, c'est des dies fleurs. Là, il y a les tampons pour faire des étiquettes. Alors, celui-là, je me l'étais commandé en double il y a un petit moment déjà. Et je suis retombée dessus quand j'ai rangé pour faire mon placard de scrap. Donc du coup, comme je l'ai en double, hop, je vous le mets. C'est des bougies. J'en ferai rien, hein, je l'ai en double. Je vous avais pris ces deux tampons. Là, c'est ce que j'ai eu aussi en partenariat. Donc je vous ai mis un marque-page comme ça. La petite sirène, elle est trop jolie. J'avais pris le petit flacon pour mettre la colle et hop, je vous ai fait l'embellissement avec l'aiguille. Alors ça, c'est des aiguilles inoxydables normalement parce que j'avais fait des aiguilles comme ça pour mettre sur mes tubes de colle, mais avec des trucs qu'on se sert pour faire les perles là, les tiges. Et ça rouille et le reste coincé à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'avais acheté celles-là qui sont inoxydables. C'est mieux. Voilà, je vous ai fait le petit embellissement qui va sur le tube de colle. J'ai quand même laissé le petit bouchon pour celles qui préfèrent mettre le bouchon plutôt que l'aiguille. Alors je suis allée m'acheter les fameux tampons et je me suis trompée. J'ai pris celui-là en double. Pensant prendre celui où il y a le jaune et le vert kaki à l'intérieur. Bon, je ne vais pas le ramener, donc voilà, je vous le mets dans le lot. Je me suis dit, c'est pas pour un tampon. J'avais acheté ça, des huiles essentielles à la lavande, parce que la lavande, c'est chez moi. Donc, je vous ai pris un petit flacon d'huile essentielle à la lavande. J'adore. Et le junk que j'ai fait, donc ça y est, je l'ai terminé, donc je vais vous le présenter. Donc hop là, il est comme ça. Là, j'ai mis des rubans pour fermer. Là, je vous mettrai, je vous glisserai le petit mot dans la pochette. Là, j'ai fait un marque-page. J'en peux plus de ces spams. Aujourd'hui, ça doit faire 10 fois qu'on me téléphone pour des spams. Là, j'ai fait un tag avec un cadre en plâtre. J'ai mis des dentelles, des fleurs. Là, j'ai fait la pochette où j'ai mis divers papiers. J'ai fait encore un petit tag. Alors j'ai collé, alors j'ai testé les diamants que j'ai achetés sur Temu avec la machine de action pour coller les thermocollants, les strass thermocollants et les strass de Temu marchent très très bien avec la machine de action. Voilà, il faut juste faire attention quand on commande qu'il est marqué thermocollant. Hop, là. J'ai fait une rosace avec des fleurs qui pendouillent.
Là, j'ai mis un cœur en plâtre avec deux petits pompons. Dans la pochette, il y a deux petits deux timbres que j'ai décorés. Hop. Là, j'ai mis une jolie fleur avec de la ficelle. Dans les pochettes, j'ai mis plein de timbres, alors des grands, des tout petits. Là, j'ai mis le nounours, des petites fleurs, un petit nounours en plâtre. Là, hop là, voilà. Là, j'ai glissé des petites découpes de feuillage. Il y en a une qui est partie là, mince. Hop là. Là, j'ai fait encore une rosace, des fleurs. Là, c'est des petites fleurs sur des pics de cure-dent. Là, j'ai fait un mini carnet. Hop, dans la pochette. Là, pareil, encore une fleur avec des pendouillettes. Là, c'est un petit carnet. Là, il y a plein d'autres collants. Des timbres, hop. Là, il y a une rosace avec une fleur. Là, j'ai mis des autocollants. Là, j'ai mis un petit paperclip, une petite fleur séchée, des tags, des autocollants. J'ai fait un petit livre, une rosace avec des fleurs. Là, hop. Là, il y a des pages derrière. Là, il y a des tags. Là, j'ai fait un embellissement avec de la résine. Là, hop, comme une petite carte tunnel. Là, dans les pochettes, alors là, j'ai mis le tag que j'ai fait avec le papier, avec les fleurs séchées, des petits timbres, des dentelles. Là, j'ai mis l'enveloppe que j'ai faite avec des fleurs séchées. J'ai mis un paperclip comme ça pour tenir l'enveloppe, parce que je voulais pas la coller, l'enveloppe, hein. C'est tellement joli que je me suis dit c'est dommage de la coller. Et là, j'ai laissé, voilà, les deux dernières feuilles, je les ai laissées vierges, comme ça vous pourrez décorer à votre goût. Je me dis que c'est bien comme ça, il y aura une petite touche personnelle dans le junk. Voilà pour le junk. Et ça, hop, c'est ce que je vous ai pris. Et les découpes que j'ai fait. Voilà, sur ce, les filles, j'espère que le lot qui est à gagner vous plaît. Je ferai le tirage au sort. On est le 24 aujourd'hui. J'espère pouvoir mettre la vidéo pour demain, le 25. Je ferai le tirage au sort. J'ai même pas regardé quand est-ce que ça tombe, le 31 juin. Je vais regarder de suite quand tombe. Alors, le 31 juin, il n'y a pas de 31. Ah si, non, 31. Hop là. Le 30 juin. Le 30 juin, c'est dimanche. Je ferai le tirage au sort le 1er juillet. Voilà. Et puis, si je trouve 2-3 petits trucs à rajouter dedans. Par contre, ne loupez pas le tirage au sort parce qu'il y aura une surprise. Il y aura une surprise. Voilà. Une jolie surprise. Donc moi, je trouve que c'est une jolie surprise. Après, vous me direz le jour où je ferai le tirage au sort si ça vous fait plaisir. Voilà les filles, je vous fais un très gros bisou. Merci à toutes d'avoir participé. Donc le 1er juillet, je ferai le tirage au sort. Et je mettrai la vidéo le soir, le 1er juillet à 18h. Je pense que je mettrai la vidéo pour dire qui a gagné le petit concours. Voilà. Je vous fais un très très gros bisou, mille fois merci à toutes, gros bisous, bonne journée et bon scrap, et à très bientôt pour un prochain tuto.